Добро пожаловать в мой канал. Il n'y a pas de menace pour la route nationale ou pour les communes aux alentours pour le moment, mais nous suivons l'évolution de la situation de près, précise la préfecture de la Réunion. Mis à jour le 3/4/2018, 10h29, publié le 3/4/2018, 10h25, le piton de la Fournaise s'est réveillé. Le volcan situé sur l'île de la Réunion est entré en éruption, mardi 3 avril à 11h locale, 9h en métropole, à la suite d'une crise sismique. Pour le moment, l'éruption est localisée dans l'enclos du volcan. Il n'y a pas de menace pour la route nationale ou pour les communes aux alentours pour le moment, mais nous suivons l'évolution de la situation de près, précise la préfecture de la Réunion, d'après les renseignements fournis par l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise. L'éruption a lieu sur le flanc nord à proximité du côté de Nez Coupé de Sainte-Rose, a indiqué la préfecture, ajoutant que une reconnaissance plus complète aura lieu ultérieurement. Le Piton de la Fournaise est l'un des plus actifs au monde. Il est entré en éruption trois fois l'année dernière, en janvier, en mai et en juillet, ainsi qu'à une quinzaine de reprises au cours des 10 dernières années. À lire aussi UG.